Le gouvernement de la République, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est résolu à la modernisation du Cameroun à travers un vaste programme de développement d'infrastructures et de services qui inspirent des initiatives inscrites dans la durée. La mise en œuvre de cette volonté politique se traduit par une promotion soutenue de l'économie du savoir, socle solide pour l'avènement d'un Cameroun émergent. Dans son document stratégique pour la croissance et l'emploi, le gouvernement camerounais a érigé l'université comme véritable laboratoire de tous les inputs indispensables à la construction de cet idéal de développement. À travers la nouvelle gouvernance universitaire articulée en 7 pôles qui se décline en une gouvernance à la fois académique, heuristique, numérique, managériale, financière, infrastructurelle et sociale, les pouvoirs publics ont mis sur pied 4 programmes pour la traduire dans les faits. Volet par volet, ces programmes serviront à développer la composante technologique de l'enseignement supérieur, à moderniser et professionnaliser les établissements facultaires classiques, structurer, améliorer et valoriser la recherche et l'innovation universitaire en internationalisant l'enseignement supérieur et améliorer la gouvernance du système de l'enseignement supérieur et la gestion des flux. En toute évidence, l'objectif de ces programmes vise un seul but: mettre à la disposition de tous les secteurs d'activité porteurs du potentiel de développement au Cameroun des diplômés rompus aux expériences d'apprentissage et possédant des habiletés et des compétences flexibles, bien adaptées au marché de l'emploi. Aussi, a-t-il fallu trouver un partenaire national pareillement rompu à toute épreuve pour accompagner cette nouvelle ère de l'enseignement sup au Cameroun. Résultat, le réseau interuniversitaire du Cameroun est né avec le transport des données, l'installation des réseaux locaux dans les universités, la connexion globale à l'Internet et la formation du personnel utilisateur. Pour mieux exploiter cette nouvelle architecture des universités du Cameroun, Camtel et le Minesup se sont accordés à densifier le réseau à fibre optique dans les campus, à créer un institut de gouvernance universitaire constitué d'un centre interuniversitaire des ressources documentaires, CIRD, et un autre centre en charge des technologies de l'information et de la communication. De même, 4 plateformes d'enseignement à distance sont opérationnelles à Douala et à Yaoundé. Le partenaire du ministère camerounais de l'enseignement supérieur a du potentiel. Opérateur historique à capitaux publics à 100%, Camtel s'investit aux côtés du Minesup avec des armes solides et chaque jour à la perfection. Au plan infrastructurel, la Cameroun Telecommunications a effectué une mutation profonde de son appareil de production. Son potentiel se compose de 2 points d'atterrissement des câbles sous-marins SAT-3 et WAX, à partir desquels plus de 10 000 km de fibre optique sont déployés sur l'ensemble du territoire national, sous la forme d'un backbone qui traverse toutes les régions du Cameroun, plusieurs départements et autres localités rurales. Et lorsqu'il a fallu valoriser ce dispositif technique, le programme National Broadband Network a permis de mettre à la disposition de tous, grand public, entreprises, institutions, professionnels et opérateurs, des services innovants de très grande capacité, le tout à des tarifs qui n'ont pas de pareil. Aujourd'hui, le positionnement à Camtel se fait par marque. Nous avons 4 grandes marques. Nous avons la marque FACO, nous avons la marque TELI, nous avons la marque MBOA et nous avons la marque Camtel Business. La marque FACO, c'est l'Internet mobile. Et Camtel aujourd'hui est l'unique source de l'Internet mobile qui permettra à nos utilisateurs, que seront les étudiants, les élèves, également les particuliers, les professionnels, de vivre l'expérience unique et infinie de l'Internet mobile à travers une constante sur la qualité du service offert. Nous avons également la marque TELI qui est le service lié à la téléphonie mobile qui est adressé également à tous les résidentiels et qui vous permet d'être mobile où que vous soyez, donc complètement mobile. Nous avons la marque MBOA
qui est un tout en un qui permet aux résidentiels de transporter leur bureau à la maison, de ramener la maison au bureau, donc à travers des services convergents. Nous avons des téléphones fixes, nous avons Internet haut débit, nous avons la télévision haute définition avec vidéo à la demande et surtout le contrôle du direct de la télécommande. Et nous avons le Camtel Business qui s'occupe de tout ce qui est solutions complexes offertes aux grandes entreprises à travers les solutions web, l'offre sur la sécurité managée, les liaisons spécialisées, les réseaux d'entreprises. Nous sommes là pour simplifier le business des entreprises. Chez Camtel, c'est plusieurs solutions innovantes. D'abord, la solution que nous appelons IP Centrex, destinée à notre marque Camtel Business. IP Centrex, c'est une solution qui optimise votre téléphonie au sein de votre entreprise. Grosso modo, vous avez des applications telles que la messagerie unifiée pour votre entreprise, transfert d'appels, conférence d'appels pour plusieurs interlocuteurs, et ainsi de suite, sans avoir besoin des équipements qui étaient jadis nécessaires pour avoir tous ces services-là. Ça, c'est IP Centrex, c'est une réduction de coûts pour votre entreprise, pas de coûts de maintenance, et en plus de cela, c'est une réduction de coûts d'appel vers les destinations nationales ou internationales. Bon, ensuite, on parle de l'application RCS. RCS, c'est quoi? C'est une application pour notre marque Dolly, la téléphonie mobile. C'est une application qui vous permettrait d'appeler et d'envoyer des SMS de façon illimitée à tous vos correspondants dès lors qu'ils auront l'application RCS. Et en primeur, c'est la possibilité d'avoir des appels en vidéo avec tous vos correspondants. Et en définitive, on parle de IPTV, notre solution IPTV pour la marque Mboa. IPTV, c'est une solution inédite au Cameroun pour la télévision numérique. C'est quoi concrètement? C'est la possibilité de mettre pause sur une émission qui est diffusée en direct. La possibilité de remonter le temps pour voir une émission que vous avez ratée. Ou tout simplement la possibilité d'aller dans le futur pour préenregistrer une émission que vous n'aviez pas encore regardée. Tout simplement. Donc, trois services, IP Centrex pour les entreprises, RCS pour la téléphonie mobile et IPTV pour nos clients résidentiels. Camtel aurait bien pu se satisfaire de ces services qui se situent à la lisière de l'extraordinaire. Mais dans sa posture de bras et culottes de l'État en charge des communications universelles, la Cameroon Telecommunications se donne le devoir de combler les besoins des usagers dans les plus petits détails. Avec sa toute récente licence d'exploitation du mobile, l'entreprise d'État passe bientôt à la quatrième génération, sans concession. Grâce au NBN, le fixe filaire connaîtra sous peu une nouvelle ère qui va décupler son offre auprès des ménages et des autres utilisateurs. À travers la réalisation future du projet Main One, un autre câble sous-marin viendra booster les capacités à l'international en attendant l'aboutissement des négociations avec les partenaires stratégiques pour la construction du câble sous-marin entre le Brésil et le Cameroun. Ce sera donc une autre Camtel, fierté de l'expertise nationale qui méritera bien de vivre dans ce cadre futuriste dont un autre projet permettra dans un bref avenir d'illuminer la capitale camerounaise. Et ce n'est pas fini.